Mais Laurence, toi, tu t'occupes de régler un gros dossier cette semaine. L'origine de la poutine, mesdames et messieurs. Laurence est allée au fond des choses. Parce qu'on n'a jamais vraiment su d'où venait la poutine, aujourd'hui, on est à Drummondville pour clarifier le mystère en compagnie des membres fondateurs du Festival de la poutine de Drummondville, Alexandre et Charles du groupe Les Trois Accords. Charles et Alexandre, merci de nous faire découvrir Drummondville à travers notre mets national qui est la poutine. Alors, notre premier arrêt, c'est le Roi Giuseppe. Pourquoi vous avez choisi ce restaurant-là? Parce que, selon la légende, ce serait ici que la poutine a été commercialisée et inventée. Première fois sur le menu, c'est là. Oui, en 64, Jean-Paul Roy. On va voir ça. Les gars, vous avez l'air de connaître ça pour vrai, la poutine, mais est-ce que vous connaissez la vraie histoire? Elle a été inventée à deux places. 1957, les vraies dates, à Warwick. Okay. Et puis en 1964, ici, vous serez les premiers à l'avoir commercialisé. Première fois sur le menu. Ce qui serait supposé d'être arrivé, c'est qu'on aurait demandé de mettre du fromage en grain sur la frite sauce qui existait déjà à l'époque. Ça a été des camionneurs qui venaient ici pour développer Drummondville à l'époque. Et puis qui, à un moment donné, ils disaient « put the fromage in, put the cheese in ». Donc, avec les années, ça a sûrement déformé à « Hey, fais-y une poutine, put in! » Voilà. Oh! 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 Wow! OK, donc, brie et filet mignon. On est ailleurs, là. Oui. La poutine, c'est un mec classique, OK? Mais la poutine évolue, puis c'est là qu'elle est rendue. La poutine est rendue là. Rendue là. Mais la poutine est aussi rendue à avoir son propre festival. Effectivement, c'est le meilleur honneur qu'on peut pas donner à la poutine. C'est quoi le festival de la poutine de Drummondville? Il y a beaucoup de poutine. Oui. Et en plus de ça, il y a des spectacles incroyables d'artistes de renom. On sait au moins que le festival vient ici. Le festival a été inventé ici. À Drummondville. Ici même. Ouais. Donc, un événement qui regroupe les deux choses que vous aimez le plus au monde? Oui. Les chars et la bière. Merci, les gars. All right. Bon festival de la poutine de Drummondville. Venez nous voir!